Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le jour 11 du retour. Donc comme vous pouvez voir, le temps que le focus se fasse, ça y est, bah il pleut à plein temps. Alors, je sais pas si on voit bien, mais il pleut à plein temps. Heureusement pour nous, on avait prévu de visiter un musée. Alors le musée est interdit aux chiens, on a regardé sur le site internet. Du coup on va y aller chacun notre tour comme on a fait les autres fois. Et là aujourd'hui on est à Uxhorna et du coup ça sera le musée Uxhorna. Voilà, donc allez, à tout de suite. Bon, je viens de sortir du musée Uxhorna du coup. Le point positif, c'est que c'était gratuit aujourd'hui. Alors, je sais pas pourquoi. Il y avait une foire, un espèce de marché. À ce qui faisait par contre qu'il y avait énormément de monde, en plus que ce soit gratuit. Concernant le musée en lui-même, moi je suis surpris de voir tout ce qu'ils font en fait, ou ce qu'ils ont fait Uxhorna. Moi je pensais que c'était juste tout ce qui était un peu gamme bricolage et moto. En fait, ils font beaucoup plus que ça. Et c'est une vieille entreprise. Là, je vais bientôt arriver au boxeur. Ça va être au tour de Mailan de visiter et on fera le point une fois qu'on l'aura visité. Voilà. Ça y est, Maëlan a fini son tour du musée. Je l'ai fait avant, là j'ai la tête dans le cul parce que j'ai fait une sieste. Du coup Maëlan m'a réveillé et puis voilà, là on est prêt à repartir. Qu'est-ce que t'as pensé du musée avant? Moi j'ai beaucoup aimé les où ça montre bah, toutes les machines à coudre, tous les machines à laver, tout ça, bah, les trucs de ménagère quoi, mais je trouvais ça... T'as bien aimé la partie la moins intéressante du coup. Moi j'ai préféré les moteurs. Bah oui, voilà, moi c'était moins intéressant. Mais j'ai trouvé ça cool que, parce que je pensais pas qu'ils faisaient autant de choses. Ouais, bah c'est pareil, pareillement, je pense... les fusils, il me semble que je savais parce que le logo, tu vois, ça fait un viseur. Et je pense que ça. Après moi je connaissais plus la gamme bricolage, tu vois, tronçonneuse et puis les motos. Et du coup, oui, par contre, ils font énormément de choses, tout ce qui est machine à coudre, électroménager. Même tout l'électroménager, les... Il y a une partie aussi un peu plus usinage, tout ça. Oui, les moulages et tout, les fabrications. Les fonderies, franchement très intéressant. Et puis l'extérieur est plutôt joli, avec la cascade, tout ça. Oui. Et moi, sympa. Du coup, j'ai eu le droit d'avoir un lâcher d'eau, entre guillemets, du coup... Je sais pas si vous l'aurez dans la vidéo, mais moi je l'ai eu. Bah, tu l'as pas eu, t'avais pas la caméra, tu peux pas... Non, mais j'ai l'autre caméra. Ah oui, t'as fait avec ton téléphone. Du coup, ça sera tout pour cette vidéo. On vous remercie d'avoir regardé. Là, c'est la première fois qu'on sait pas ce qu'on va faire le lendemain. Alors, faut qu'on planche là-dessus ce soir.
Et puis de toute façon, le retour est de plus en plus proche. Oui. Voilà. On est sur la Merci fin. D'avoir regardé et puis à la prochaine vidéo. Salut.